troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Martial Zebelinga, économiste, et de nos éditorialistes Samuel Gembock et Malik Acher. Et tout de suite en Guinée, la vente illégale des produits pharmaceutiques prend de l'ampleur. Le phénomène préoccupe les professionnels du secteur. Depuis quelques temps, ils s'organisent en syndicats pour lutter contre la pratique avec le soutien des autorités publiques. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Mobilisation des pharmaciens contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. Pendant ce temps, les pharmacies parterres, comme on les appelle ici, prolifèrent sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, par exemple, à défaut de chiffres officiels, on estime à plusieurs centaines le nombre de boutiques de médicaments tenues par des tierces personnes. Le phénomène en progression dans le pays inquiète les spécialistes du médicament. Le médicament, il n'est appelé médicament que quand il est dans les mains d'un professionnel, c'est-à-dire d'un pharmacien. En dehors de ça, il devient un poison. À la base, c'est une drogue. Alors quand elle est bien gérée, elle devient un médicament. Quand quand elle n'est pas dans les mains expertes, cette drogue devient tout de suite un poison. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 100 000 décès par an sont liés au commerce de médicaments de la rue en Afrique. Cette rencontre des pharmaciens privés de Guinée traduit leurs préoccupations grandissantes devant le développement des marchés parallèles. Ils occupent une proportion importante du marché pharmaceutique de l'ordre de 10 à 20%. Le phénomène a pris une ampleur telle que les pharmaciens ont décidé de créer un syndicat national. Celui-ci va associer les services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue dans sa guerre contre la vente illicite des médicaments. Tous les marchés sont pharmacies. Toutes les boutiques sont pharmacies. Ce qui est vraiment difficile à concevoir et qu'il faut vraiment lutter. On a pris un engagement avec ces pharmaciens pour leur dire que désormais, au nom du président de la République, au nom des citoyens guinéens consommateurs, qu'on va se battre contre vents et marées pour enfin mettre fin à ces ventes illicites de médicaments sur nos marchés. En Guinée, la contrefaçon et le commerce illicite de produits pharmaceutiques concurrencent aujourd'hui de façon déloyale les circuits légaux et compromettent les activités des fabricants et des pharmaciens. Alors que les médicaments de la rue représentent 60% des ventes dans le pays. Pour les pharmaciens professionnels, ce phénomène constitue un fléau et une menace importante à la santé publique et à l'économie. Malik, que les médicaments de rue existaient, ça on le savait, mais que la tendance soit à la hausse alors que les politiques de santé s'améliorent a priori, est-ce que ce n'est pas étonnant? Ce n'est pas étonnant parce que je pense qu'il y a une baisse de la répression justement sur ces vendeurs ambulants qui subsistent. Il y a eu des créations de brigades mobiles, mais on a vu que finalement, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Il y a un manque de volonté politique. Ajouter à cela une forme de corruption, il ne faut pas avoir peur des mots. Ces brigades-là ne sont pas forcément, je dirais, honnêtes et exemptes de tout reproche. Donc il y a aussi un laxisme sur le terrain. Donc là, il faut vraiment que l'État reprenne sa place, parce que comme l'a souligné le reportage, ça coûte énormément pour le pays. Ça l'empêche de se développer sur le plan économique de façon durable. Imaginez que quelqu'un qui est malade essaie de se soigner. C'est normal. Mais finalement, en consommant ces médicaments-là, il va détériorer sa santé. Mais il ne faut pas lui en vouloir à cette personne-là. C'est aussi parce qu'il y a un manque de sensibilisation envers ces populations qui n'ont pas le regard des professionnels, comme ça a été dit dans le reportage. Donc, sensibilisation et répression en même temps, c'est deux axes qui doivent être amplifiés, notamment en Guinée, mais aussi dans la sous-région, parce que c'est un phénomène qui concerne beaucoup d'autres pays. Samuel, si cette vente illégale de médicaments augmente, est-ce que cela signifie aussi que les médicaments restent trop chers pour la majorité des Guinéens? Oui, les médicaments restent trop chers. C'est un secteur qui reste très fermé. Il faut aussi diversifier ce secteur, accroître la filière industrie pharmaceutique pour que les médicaments puissent être accessibles aux populations. Mais aussi, c'est une réponse globale qu'il faut apporter à ce phénomène. Il ne faut pas simplement mettre en place des brigades ou un policier derrière tout malade pour que ce dernier ne puisse pas avoir la tentation d'aller acheter un médicament en bordure de route. Il faut aussi que celui qui est malade puisse aller à l'hôpital, puisse consulter un médecin, puisse bénéficier d'une ordonnance médicale qui lui permet d'aller à la pharmacie et qu'il puisse avoir les moyens. Cela nécessite aussi l'approche emploi de la population. Plus il y a
plus le chômage est important dans le pays, moins les populations iront dans les services de santé appropriés et donc seront livrées à tout ce qui leur permet justement de l'assurer la santé à n'importe quel prix. Martial Zebelinga, d'après vous, peut-on expliquer que la Guinée soit le pays africain où la vente illégale de médicaments augmente le plus rapidement ? C'est certainement pas le seul. Hein. C'est une tendance qui est plutôt structurelle, qui part du fait qu'il y a une insuffisance de l'offre globale, d'ailleurs, dans le domaine de la santé, en termes de services, mais également en termes de médicaments. C'est une offre qui a eu du mal à se structurer à travers le temps. C'est-à-dire que quand vous prenez l'époque coloniale, avant l'époque coloniale, il y avait les tradithérapeutes, hein, qui, jusqu'à présent, restent les premiers médecins en Afrique noire. Ensuite, pendant la période coloniale, il y a eu un régime, on va dire, d'exception, c'est-à-dire qu'on autorisait certains commerçants, par des listes nominatives, à vendre des médicaments. Avec les régimes donc, post-coloniaux, ces listes ont continué, mais ont commencé à être peut-être un peu plus politisées. Et avec la crise qui est arrivée, on a eu alors, deux phénomènes. Plus de commerçants et de commerçants ambulants, et puis la demande qui a augmenté vers cette offre que vous appelez parallèle. Et donc, en gros, la situation actuelle traduit les insuffisances dans la structuration de l'offre pharmaceutique, les insuffisances d'abord de l'État, puisqu'il n'a pas intégré l'offre culturelle traditionnelle avec l'offre contemporaine moderne, alors que c'était un terreau absolument intéressant. Et d'un autre côté, les difficultés économiques de ceux qui vont avoir besoin de se soigner et qui vont aller vers ceux qui leur permettent de se soigner le plus rapidement. Vous savez, vous serez surpris de voir que dans plusieurs pays, vous avez des commerçants qui payent leur droit de faire commerce, qui vendent de ces produits-là officiellement. Quand on parle de filière parallèle, c'est vraiment un grand mot, parce qu'ils exercent au vu et au su de tout le monde. Donc on peut même pas vraiment dire que ce soit illicite. C'est qu'il y a une vraie défaillance de l'État et puis des groupes professionnels dans la façon d'intégrer et de répondre à un besoin qui est un besoin massif. Et ça, il faudrait que tout le monde s'y mette. Je pense qu'il faudrait que ça invite aussi la société civile, qu'on entend beaucoup sur des questions politiques, qu'on entend beaucoup sur le comptage des listes électorales, etc. Sur des questions sociales comme celle-là, elle doit se faire beaucoup plus entendre pour faire évoluer cette filière. Merci. Dans l'actualité également, l'Éthiopie s'engage dans un plan de développement des énergies renouvelables. Des projets visant à produire 12 000 mégawatts d'énergie grâce à ces énergies vertes seront ainsi lancés d'ici 2020. L'accent sera mis sur les ressources hydrauliques. Birama Saonera. L'Éthiopie mise sur les énergies renouvelables pour développer son secteur énergétique. Le pays vise la production de 12 000 MW d'énergie d'ici à 2020. Les ressources hydrauliques du pays figureront parmi les principales sources qui seront exploitées dans le cadre de ce plan. La réalisation de ces projets nécessite la mobilisation de 25 milliards de dollars. Pour cet ambitieux plan, l'idée est de financer au moins 50% à partir de nos propres caisses. Le reste du financement se fera sous forme de subventions, de prêts bonifiés et de prêts commerciaux auprès de différents investisseurs. L'Éthiopie constitue aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques du continent. Elle ambitionne de devenir une importante exportatrice d'énergie. Pour y parvenir, le pays peut compter sur ses ressources hydrauliques grâce auxquelles elle pourrait produire jusqu'à 45 gigawatts d'énergie. Les économies africaines doivent mettre en avant les avantages compétitifs qu'ont les États, les économies, les pays, être capable de pouvoir transformer ces avantages comparatifs naturels-là en avantages compétitifs économiques. Ça voudrait dire qu'il nous faut impérativement avoir l'énergie la moins chère. L'Éthiopie, d'ailleurs, détient un des barrages les plus importants au monde avec le barrage Inga, qui est capable de pouvoir alimenter toute l'Afrique avec ces deux barrages-là. L'Éthiopie a mis en œuvre entre 2010 et 2015, la phase 1 du programme Growen and Transformation Plan, un projet qui a permis d'entamer la construction du barrage de Grande Renaissance et l'extension de celui du Jibel Jibé 3. Une fois achevé, ces barrages porteront la capacité énergétique de l'Éthiopie de 2400 MW actuels à 10 000 MW. Samuel, que pensez-vous de la stratégie énergétique de l'Éthiopie ?
C'est une bonne stratégie. Je pense qu'elle est à la hauteur des ambitions que le pays se fixe, même sur le plan économique, même en termes de leadership au niveau régional. Il y a un concurrent dans cet ambitieux projet qui est Djibouti, qui a aussi décidé de mettre en place une politique volontariste qui lui permettra de diversifier ses sources d'énergie. Je pense que l'Éthiopie voit juste de mettre la barre très haut en développant ces différents secteurs. L'Éthiopie pourra d'ailleurs ravitailler, exporter son énergie auprès des pays qui en ont besoin. Dieu seul sait que la plupart des pays africains aujourd'hui connaissent une crise énergétique qui est sans précédent et qui pourrait d'ailleurs booster les économies nationales dans la sous-région, voire même à l'intérieur du continent. Donc je pense que c'est une ambition qui est à saluer et à encourager. Alors Mali, quand même, les autorités affirment que l'Éthiopie veut se développer sans polluer. Est-ce que ce n'est pas trop ambitieux quand même ? À mon avis, ce n'est pas ambitieux. Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, nous avons aussi ces préoccupations-là. Et l'Éthiopie est un peu un leader dans ce domaine-là, hein, dans justement cette volonté de lancer les énergies renouvelables. Nous avons en Afrique des spots incroyables pour justement être indépendant en production d'électricité via justement les énergies renouvelables. On parle de l'Éthiopie, mais je répète ici, nous avons le bassin du Congo qui est véritablement un spot extraordinaire pour la production de l'électricité à partir des barrages. Oui, l'Afrique peut arriver à cette sécurité énergétique sans polluer. C'est possible. Nous avons le solaire, nous avons l'éolien, bien que l'éolien, ça demande des spots bien spécifiques parce qu'il faut que le vent ne soit pas trop fort. Mais vous avez la vallée du Rift et l'Éthiopie est au centre de cette vallée du Rift qui peut lui permettre justement de produire de l'électricité. Électricité sans polluer. Donc, comme l'a rappelé Samuel, si vous voulez faire un bon développement économique, vous êtes obligé de passer par une sécurité énergétique. L'Éthiopie s'en donne les moyens et elle peut y arriver. Martial Zebelinga, l'Éthiopie a raison de miser sur les énergies renouvelables. Je pense que l'Éthiopie pourrait d'ailleurs prétendre à être en un certain sens exemplaire dans cette approche. Elle mise sur des ressources qui sont des ressources internes. Elle mise sur des ressources qui sont renouvelables, elle mise sur des ressources qui sont non polluantes et elle mise sur une alternative au développement économique. Je crois que sur tous ces points, elle ajuste. Aujourd'hui, une grande partie de la transformation économique des pays africains est entravée par le fait que nous avons des déficits énergétiques liés au fait que les stratégies de développement n'avaient pas prévu l'accroissement démographique. Et aujourd'hui, on a en gros la même offre énergétique qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Avec une population qui s'est multipliée par un facteur N. Donc c'est évident qu'on a des globes d'étranglement. J'ai coutume de dire, vraiment sous forme de boutade, qu'aujourd'hui on a le panafricanisme des coupures d'eau et des coupures d'électricité. C'est-à-dire que c'est ce qui est le plus répandu malheureusement. Mais je pense que ce qui est intéressant, et aussi dans ce que veut l'Éthiopie, c'est l'ambition. Ce n'est pas simplement, vous voyez, quelque chose qui renvoie à voilà, un cadrage macroéconomique, etc., être le bon élève d'eux. L'Éthiopie, voilà, elle monte sur son ambition à être un pays leader qui fait des partenariats avec d'autres pays du Sud, avec la Chine, avec la Turquie et également avec des pays européens pour arriver à construire quelque chose qui n'existe nulle part et dont les bénéfices potentiels sont intéressants. Donc moi, je ne peux que souhaiter à cette initiative bon vent. Et tout de suite, notre chiffre du jour. La Tunisie va bénéficier d'un financement de 23 millions d'euros de l'Union européenne destiné à soutenir le pays sur le plan sécuritaire. Un dialogue est également mené en parallèle sur la lutte contre le terrorisme et la prévention contre les dangers aux frontières. Pour rappel, la Tunisie fait face à la menace de groupes djihadistes retranchés dans les zones montagneuses du pays, près de la frontière algérienne. Mali, qu'est-ce que c'est une aide financière dont la Tunisie a besoin contre le terrorisme ? L'économie de la Tunisie a été anémiée, on le sait, par le processus révolutionnaire lors de la destitution de Ben Ali. Donc l'économie tunisienne redémarre et elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour investir de son propre chef. L'État n'a pas cette marge de manœuvre financière, donc elle fait appel à un emprunt extérieur, je dirais. Même si c'est une aide de l'Union européenne, je pense que c'est nécessaire. La Tunisie, comme vous venez de le rappeler, a sur sa partie ouest le groupe Rogba Ibn Nafa qui le déstabilise notamment dans les monts Chambi, près de la frontière algérienne. Et vous avez l'autre front du côté est avec la Libye et Daesh qui est en train de semer le chaos dans ce pays. Donc la Tunisie est située malheureusement dans un contexte terroriste, dans un contexte sécuritaire particulier, dans une région très active. Et donc je pense que là,
là, la Tunisie ne peut que développer justement son arme, enfin l'effectif, la logistique à ses frontières, notamment ses frontières sud. Samuel, cette aide, c'est une aide bienvenue pour la Tunisie ? C'est une aide bienvenue, mais il faut aussi voir la contrepartie. La contrepartie, ce sont les réponses politiques, ce sont des réformes politiques, c'est aussi des contrats sur le plan économique et commercial qui vont être mis en avant. L'Union européenne ne finance pas pour financer, elle finance parce que la Tunisie est un pays hautement stratégique pour ses intérêts et doit financer normalement les aspects sécuritaires justement pour assurer la sécurité des investissements européens en Tunisie, mais aussi de demander à la Tunisie d'aller de l'avant avec les réformes sur la bonne gouvernance, sur la paix, sur la démocratie. C'est un partenariat qui existe depuis 2004, qui est relatif à la politique européenne de voisinage, qui ne concerne pas simplement la Tunisie, mais l'ensemble des pays au sud de la Méditerranée, tout comme ceux de l'Europe de l'Est, qui bénéficient exactement des mêmes aides. Et on voit aujourd'hui que la Tunisie, qui présente, contrairement aux pays de l'Afrique au sud du Sahara, des garanties beaucoup plus importantes sur le plan économique et commercial. Il y a l'Allemagne qui s'est proposée d'apporter, je crois, 1 milliard d'euros, la France qui veut reconvertir sa dette de près de 60 millions d'euros en projet de développement. Il y a les autres pays européens. Et donc je pense que c'est une bonne chose pour la Tunisie. Maintenant, il va falloir qu'elle soit prudente dans la gestion de cette dette. Une réaction rapide, Marcel Zebinga. Je dirais que, en fait, c'est surtout l'Europe qui se soucie d'elle-même. En fait, hein. Il s'agit, c'est moins pour la Tunisie que pour elle-même. Il s'agit de sécuriser son voisinage en poussant la lutte le plus loin possible de ses frontières. D'un point de vue stratégique, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Je persiste à dire que il faudrait que les Tunisiens aussi luttent pour eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas que tout soit, que ce soit des solutions faites par l'Europe pour l'Europe, mais que ce soit des solutions faites aussi par l'Afrique et les Tunisiens. D'une façon général, je pense qu'on ne sortira pas de ces affrontements, de ces extrémismes, seulement avec des euros et des dollars distribués ou financés. Il y a une inégalité dans le système capitaliste contemporain qui est littéralement insupportable. On pourra faire ce qu'on veut, on ne peut pas avoir une partie du monde qui concentre les ressources, 90% des ressources et des richesses du monde entier, en demandant au reste du monde d'écrire sur les droits de l'homme et de regarder en applaudissant. C'est impossible. Et donc si on ne comprend pas que ça se joue d'abord dans la sortie d'un monde totalement inique et inéquitable, on n'aura rien compris. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le troisième volet de cette semaine consacrée à la communauté économique d'Afrique centrale. Marcel Zebinga, merci d'avoir été avec nous. Moi qui vous remercie. Samuel, merci également. Merci Fanny, bonsoir. Et Malik, merci. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.